إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on va commencer inchallah. Donc alhamdulillah, aujourd'hui on commence le cours 50 dans l'explication du livre Kitab al-Tawhid. Et aujourd'hui on commence al-bab al-sadis al-ashar, c'est-à-dire le chapitre 16. Ok? Et dans ce chapitre, le cheikh il a mentionné deux hadiths, un verset et deux hadiths pour expliquer le verset. Le premier hadith il est sahih, toutefois le deuxième il est da'if. Ok. Et on va juste lire, commencer à lire le chapitre inshallah, puis après on va lire l'explication du cheikh à ce sujet-là. Il commence par le verset en premier dit babun qawl Allah ta'ala hatta idha fuzza 'an qulubihim qalu ma la qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-'ali al-kabir. Ça veut dire dans la traduction jusqu'à ce que la frayeur soit enlevée de leur cœur, ils diront qu'a dit votre Seigneur, ils diront il a dit la vérité et c'est lui le très haut, le très grand. Et il dit وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله فكأنه سلسلة على صفوان فينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعده فوق بعض ووصف سفيان كفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة ويلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدرك أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا 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 فيصرف تلك الكلمة التي سمعت من السماء. D'accord. Donc ça c'est le premier hadith. On va essayer d'expliquer un peu qu'est-ce que ça signifie. Et même si je saute sur certaines explications, dans le charh, on va expliquer les détails de qu'est-ce que ça peut signifier. Il dit selon Abi Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va trancher sa décision dans les cieux, ou quand il décide de quelque chose, quand il décrète quelque chose dans les cieux, les anges battent leurs ailes en soumission pour Allah subhanahu wa ta'ala et par humilité pour sa parole. Et fa ka'annahu silsilatun ala safwan.
Silsilatul ala Safwan, ça on va l'expliquer tout à l'heure dans le sharh. Mais il dit tashbihun li sawt al-wahy alladhi ya'ti ila al-malak aw sawt al-malak nafsuhu bi sawt as-silsila idha jarat ala hajar al-mas. Donc d'après ce que le cheikh explique, il dit que la description qu'annahu silsilatun ala Safwan, il dit que c'est soit une description de la voix ou de la voix de la révélation quand elle arrive à l'ange, ou bien une description de l'ange lui-même, et en disant que c'est comme une chaîne lorsqu'elle est traînée sur une pierre qui est lisse. Donc ça c'est la description. ينفذهم ذلك أي أن كلام الله يبلغ إلى قلوبهم. Donc ينفذهم ذلك, ça veut dire que ça leur fait peur quand ils entendent ce son-là, et ils tombent, yani, de frayeur. C'est comme s'ils perdent connaissance. Yani. Et jusqu'à ce que la frayeur soit partie, et bien là, ils demandent qu'est-ce qu'a dit votre Seigneur, et ils répondent, il a dit la vérité. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que ça c'est quand les informations sont transmises dans les cieux, aux anges et entre les anges. Et là, les shayatins, parmi les djinns, ils essaient de voler des informations qui sont transmises dans les cieux. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se montent tous l'un sur l'autre, les djinns, jusqu'au ciel, pour essayer d'aller écouter qu'est-ce qui se transmet comme information, puis ils se la transmettent l'autre en descendant, c'est-à-dire celui qui est en haut, il la donne à celui qui est en dessous de lui, puis l'autre celui qui est en dessous de lui, il l'envoie à l'autre qui est en dessous, jusqu'à ce que ça arrive à la personne au djinn qui est en bas, puis le djinn qui est en bas, il la lance au djinn, il la lance au magicien ou au médium pour lui donner cette information là, d'accord. Et ça se peut que parfois il y a une étoile filante ou bien un météorite qui le frappe avant qu'il ait le temps de transmettre l'information, mais des fois il a le temps de transmettre l'information avant que ça le frappe. Et donc, étant donné qu'il a reçu cette information-là, qu'est-ce qu'il fait? Il la mélange avec une centaine de mensonges. Il la mélange avec une centaine de mensonges. Et donc, la personne qui l'a entendu, quand l'affaire que le magicien ou celui qui dit qu'il connaît l'avenir, quand il entend ça, il le mélange avec centaines. Mais quand la personne elle a demandé des informations au magicien ou au voyant ou des trucs comme ça, elle se rappelle par la suite juste de cette affaire-là. Elle dit ah, est-ce que c'est pas vrai qu'un tel jour il m'avait dit telle ou telle affaire allait arriver, et il se rappelle de cette chose-là en particulier, mais il oublie la centaine de mensonges ou bien tous les autres mensonges qu'il avait prédit puis qui sont pas arrivés, parce que il se rappelle uniquement de ce point-là. Et en réalité, cette information-là, c'était celle qu'il avait volée des informations qui sont transmises et qu'il avait entendues dans le ciel. Donc ça c'est le premier hadith qui est mentionné dans ce chapitre. Donc j'essaie de faire une petite traduction rapide. Et il y en a un autre hadith qui est mentionné, qui est déclaré da'if, d'après ce que j'ai trouvé dans le tahrij. Et ce hadith-là, il dit « Anil Nawas ibn Sam'an, radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي وأخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقول كلهم مثل ما قال جبريل. Donc ça c'est le hadith
qui est mentionné. Il est daïf, mais c'est presque la même signification que le premier hadith. Sauf qu'il y a juste des détails, des petits détails qui ne sont pas mentionnés dans le premier. C'est selon Al-Nawas ibn Sam'an, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque Allah veut transmettre une révélation d'un commandement, il parle par sa révélation et tous les cieux sont pris d'un tremblement, hein, et ils sont comme c'est comme un genre de tonnerre, hein, c'est comme un genre de grand tonnerre, ok, et ils sont tous pris d'une grande crainte à ce moment-là, ils sont tous pris d'une grande crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les êtres qui habitent dans les cieux, lorsqu'ils entendent ça, ils sont foudroyés et ils tombent tous en prosternation pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le premier d'entre eux qui se relève, qui relève la tête de la prosternation, c'est Jibril. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui parle de la révélation. Et il lui dit ce qu'il veut. Et Jibril, par la suite, il va vers les autres anges. Et à chaque fois qu'il descend vers un autre ciel, eh ben, les anges lui demandent qu'est-ce que notre Seigneur a dit au Jibril. Alors il leur dit, il a dit la vérité, et c'est lui le très grand, le très haut et le très grand. Alors ils disent tous la même chose que ce que Jibril avait dit. Et ça c'est le hadith. C'est quoi? Ah ok, bon, tu vois, ça a été coupé. Ici il n'est pas écrit. فينتهي جبريل إلى ما انتهى إليه فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. Donc ça ce serait la suite. C'est-à-dire Jibril par la suite il s'en va transmettre la révélation là où on lui avait commandé de la transmettre. Donc ça c'est la fin du hadith. Probablement qu'il y a eu une erreur ici, que ça a été coupé dans cette édition-là. Allah musta'an. Donc on va expliquer maintenant, on va lire l'explication du chef Salih al-Fawzan à ce sujet, Inch'Allah, pour comprendre c'est quoi le but de ce chapitre, et puis c'est quoi les points qu'on peut tirer de la compréhension de ces hadiths. Le chef dit, مراد الشيخ رحمه الله بهذا الباب أن يبين تفسير هذه الآية كما جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الآية فسرتها السنة بالأحاديث التي ذكرها الشيخ في هذا الباب، والغرض من ذلك إتمام ما سبق في الأبواب السابقة من بيان أدلة بطلان الشرك. ففي الأبواب السابقة بين الشيخ رحمه الله بطلان أو بين بطلان عبادة الأنبياء والصالحين من بني آدم بالأدلة التي سبقت من الكتاب والسنة. وفي هذا الباب يبين بطلان عبادة الملائكة، لأن الملائكة عبدوا من دون الله، عبدوا من دون الله. فهذا الباب مكمل للأبواب السابقة التي قبله في بيان بطلان عبادة كل من عبد من دون الله من الأنبياء والأولياء والصالحين والملائكة، لأنه إذا بطلت عبادة هؤلاء فبطلان عبادة من دونهم من باب أولى، وإذا بطل ذلك في حق الملائكة وهم أقوى الخلق خلقة ومن أقربهم إلى الله منزلة، فلأن تبطل عبادة من سواهم من الآدميين والجن والإنس من باب أولى، فهذا فقه هذه الترجمة. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique c'est quoi le principe ou le point qui est recherché dans ce chapitre-là. C'est quoi le but? Pourquoi le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a placé ce chapitre-là à cet endroit-là? Et c'est quoi le but de ce chapitre? Et il dit que le Cheikh a voulu par ce chapitre, en fait, expliquer ce verset qu'on a lu, qui est le verset 23 dans Surat As-Saba. Le verset 23 dans Surat As-Saba. Et yani, il dit que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est venue pour clarifier la signification de ce verset. Et c'est ça ce que le Cheikh a mentionné dans ce chapitre. Et c'est dans le but de compléter
tout ce qui a été dit dans les chapitres précédents pour montrer la fausseté du shirk, la fausseté du shirk. Et dans les chapitres précédents, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il a expliqué la fausseté de l'adoration des prophètes, la fausseté de l'adoration des hommes pieux parmi les êtres humains, les fils d'Adam. Et il a montré les preuves de ça dans les versets du Coran et de la Sunna. Et dans ce chapitre maintenant, il veut montrer la fausseté ou bien l'erreur d'adorer les anges. Hein, parce que les anges ont été adorés par certains êtres humains en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce chapitre est donc est venu pour compléter les chapitres précédents et pour montrer la fausseté et l'erreur de l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit des prophètes, que ce soit des awliya, que ce soit des hommes pieux ou que ce soit des anges. Parce que si tu arrives à prouver l'erreur et la fausseté de l'adoration de ceux-là, eh bien c'est comme si tu as prouvé et tu as démontré la fausseté de tout ce qui est adoré parmi les créatures qui sont en dessous de ces créatures-là. Parce que celles-là, disons que c'est les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est elles qui sont les plus rapprochées d'Allah, qui sont les plus grandes créatures par rapport à leur position et leur statut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu montres que celles-là ne méritent pas d'être adorées et que c'est faux de les adorer, donc ça y est, c'est comme si tu dis, ça y est maintenant, je n'ai plus besoin de prouver pour les autres, puisque celles-là, on l'a établi que c'était faux, donc c'est encore plus vrai pour les autres, dans ce sens-là. Donc, étant donné que les anges, c'est une des plus grandes créatures d'Allah, et que c'est elles qui sont les plus près d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en degré et en niveau, donc, si on montre que c'est faux de les adorer, eh bien, c'est encore plus faux d'adorer les êtres humains, les djinns, et d'adorer toute autre créature que Allah a créée. Et donc, c'est ça la compréhension derrière ce chapitre, d'accord, ou le titre de ce chapitre. Le cheikh dit قوله إذا قضى الله الأمر معناه إذا تكلم بالوحي كما في حديث النواس ابن سمعان الذي في آخر الباب فبهذا اللفظ إذا تكلم الله بالوحي وهذا معنى قوله قضى الله الأمر في السماء ففي ذلك إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى وأنه كلام يسمع وتسمعه الملائكة وإذا سمعوه صعقوا وخروا كما يأتي خروا لله سجدا تعظيما لله عز وجل. الشيخ يكتب يقول lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a tranché la décision ou bien il a décrété ou l'a jugé son commandement, il a établi son commandement ou son jugement, il explique que ça veut dire en fait que Allah a parlé de sa révélation, il a parlé, il a donné sa révélation, il a parlé bil wahy, hein, il a parlé par sa révélation, c'est-à-dire il a transmis sa parole pour que les anges le transmettent au prophète comme étant une révélation. C'est ça que ça veut dire, wallahu a'lam. Et après il dit que ça c'est expliqué dans le hadith de Nawas ibn Sam'an qu'on a lu, qui est le deuxième hadith dans ce chapitre, qui montre qu'au début on dit « إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ بِالْوَحِدِ » c'est-à-dire quand Allah parle pour révéler sa révélation. Donc c'est ça le sens de « قَدَ اللَّهُ الْأَمْرُ فِي السَّمَاءِ » Et il y a dans ça l'affirmation que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle, et il a l'attribut de la parole, et que sa parole, elle est audible, c'est pas une parole qui est inaudible, c'est-à-dire c'est une parole qui s'entend, contrairement à ce que certains parmi les gens de Bid'a prétendent, que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut pas l'entendre, et que c'est seulement la signification de sa parole qui est en Allah subhanahu wa ta'ala, qui est sa parole. Tandis qu'ils prétendent que Allah, il ne parle pas avec une voix qu'on peut entendre et avec des mots et des lettres. Eux, c'est ça ce qu'ils prétendent, comme les Asha'ira par exemple. Et ils disent que le Coran qu'on récite, c'est pas la parole d'Allah. Ils disent que le Coran qu'on récite, ça c'est créé. Ils croient pas que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que les Mu'tazila, eux, eh ben, ils nient complètement la parole. Ils disent non. On a
C'est-à-dire les Asha'ira, ils le nient indirectement. Ils disent oui, on l'affirme, mais quand tu demandes qu'est-ce que c'est la parole, tu vois qu'ils décrivent quelque chose qui est contraire à ce que Allah a dit dans le Coran et dans la Sunna. Hein? Ils le nient indirectement. Ils le nient indirectement. Tandis que les Mu'tazila, eux, et les Jahmiya, non, ils le nient clairement et directement. Ils disent non, Allah n'a pas l'attribut de la parole, il ne parle pas. C'est symbolique, c'est allégorique, c'est pas vrai. Allah ne parle pas. D'accord? Donc tous les attributs, il les met en entier. Donc ça c'est leur façon de comprendre Dieu. Ils ont un Dieu, ils ont une idée d'un Dieu abstrait, sans aucun attribut, un peu comme le Dieu des déistes, hein, des philosophes. Un Dieu qui n'a pas d'attributs, qui ne parle pas, qui n'aime pas, qui ne déteste pas, qui n'a pas de miséricorde, qui n'a pas d'attributs comme la vue, l'ouïe, la parole, etc. D'accord? Il nie la façon dont Allah s'est décrit lui-même dans sa révélation. On va en parler de ça plus tard, Inch'Allah. Le cheikh il dit que les anges entendent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et lorsqu'ils l'entendent, ils sont foudroyés et ils tombent prosternés prosterné devant Allah subhanahu wa ta'ala par crainte et respect pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi qawlihi fi as-sama. Hadha fihi ithbatu 'uluwi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa huwa ka qawlihi ta'ala a'amantum man fi as-sama' an yakhsifa bikum al-ard fa'idha hiya tamur. Am amantum man fi as-sama' an yursila 'alaykum hasiba. Le cheikh, il mentionne le fait que Allah, il décrit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah tranche ou envoie sa révélation, ou dit parle par sa révélation dans les cieux. Et donc, il y a l'affirmation que Allah subhanahu wa ta'ala il a l'attribut de Al-Ulu, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de toute chose et qu'il est élevé au-dessus de sa création. C'est ça ce que ça signifie quand on dit c'est sama. Parce que Allah il dit dans le verset 16 et 17 dans le Coran, a amintum man fi sama an yakhsifa bikum al-ard. Ne craignez-vous pas ou pensez-vous que vous êtes à l'abri que celui qui est dans les cieux vous fasse avaler par la terre. Ou fasse que la terre vous avale ou vous engloutisse. Et dans l'autre verset qui vient après, ou vous pensez-vous à l'abri que celui qui est dans les cieux fasse tomber des pierres sur vous, hein, du ciel. Donc ça c'est deux versets qui affirment le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est dans les cieux comme il a mentionné dans ce verset-là. 16 et 17 dans Surat al-Mulk. Non. Donc, وَالَّذِي فِي السَّمَاءِ هُوَ اللَّهُ أي العلو. وهو العلي العلي أو الأعلى العلي الأعلى وهو القاهر فوق عباده واستوى على العرش الرحمن على العرش استوى والعرش هو أعلى المخلوقات وسقف المخلوقات وأعظمها. Donc ici le cheikh il dit que quand on dit que Allah est في السماء dans les cieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toute chose. Parce que as-sama en arabe, ça veut dire tout ce qui est au-dessus de ta tête. C'est pas nécessairement le ciel, comme on le voit, le ciel le jour ou la nuit avec les nuages, hein, et les étoiles. Non. As-sama en arabe, ça veut dire tout ce qui est au-dessus de toi. Hein, et on l'utilise pour déterminer qu'est-ce qui est en haut. Et donc quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il est fis-sama, ça veut dire il est fil-ulu, il est au-dessus. Pas qu'il est nécessairement dans les nuages dans le ciel, comme certains mubtadi'a essayent de nous faire dire, ok? Et c'est ça, parce que quand on dit par exemple, comme j'explique à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. Il a fait descendre de l'eau du ciel. Tout le monde sait que l'eau ne tombe pas du ciel, l'eau tombe des nuages. Mais les nuages sont en haut. Et Allah subhanahu wa ta'ala désigne le fait que l'eau tombe d'en haut par le terme sama.
ça ce que ça veut dire. Donc ça, ça c'est une des explications à ce sujet-là. Sinon il y en a d'autres aussi qu'on a mentionné dans d'autres contextes, mais là c'est juste pour mentionner ça en passant. Et il y a beaucoup d'autres versets qui expliquent et qui prouvent que Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus. La preuve aussi qu'il est parmi les noms qu'il a, il est Al-Ali, Al-Ali Al-A'la, hein, il est le très haut, hein, et le plus haut. Et il dit aussi le verset 17 dans sourate Al-An'am, wa huwa al-qahir, al-qahiru fawqa ibadih. C'est-à-dire c'est lui qui est le contraignant, hein, au-dessus de ses serviteurs. Il est au-dessus de ses serviteurs. Al-qahir, celui qui est au-dessus. Et istawa 'ala al-'arsh, le verset 54 dans sourate Al-A'raf. Et en fait le verset qui mentionne al-istiwa, le fait qu'Allah s'est élevé au-dessus de sa création, il est mentionné plus que 7 fois, environ 7 fois, oui, 7 versets qui mentionnent l'attribut de al-istiwa. Donc il est mentionné 7 fois dans le Coran. Et al-arsh, qui est au-dessus de son trône, al-arsh c'est la plus haute de toutes les créations. Elle est, comme tu peux dire, elle est comme le toit de la création. Elle est au-dessus de toutes les autres créatures. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de Al-Arsh. Et l'Arsh, c'est la plus grande de toutes les créations. C'est la plus grande de toutes les créations. Okay? Et quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de sa création, il est au-dessus de Al-Arsh, il ne faut pas essayer d'imaginer. Il ne faut pas essayer d'imaginer comment Allah subhanahu wa ta'ala, il est élevé au-dessus de son trône, et puis il ne faut pas non plus imaginer ou faire ressembler la façon dont il s'est élevé au-dessus de son trône et le comparer avec comment un être humain s'assoit sur un trône. Il n'y a pas de comparaison parce que Allah il dit « Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir ». Hein? Donc on affirme les attributs sans faire de tashbih, puis on ne fait pas aussi de takyif, on ne demande pas le comment. Et puis on ne fait pas de tahrif aussi, c'est-à-dire on ne va pas déformer le sens des mots pour leur donner une signification qui n'a aucun rapport avec les textes ou avec les références de la langue arabe, etc. Donc, pardon, il y en a beaucoup, on va pas rentrer dans ça maintenant les détails parce que c'est juste un point que le cheikh fait juste mentionner en passant, pour nous faire profiter de certaines compréhensions à ce sujet-là, mais il mentionne des preuves intéressantes quand même, on va en mentionner quelques-unes. C'est juste pour faire comprendre que, parce que certains essaient d'imaginer ça, et c'est ça l'erreur qu'ils essaient d'imaginer. Puis quand ils imaginent quelque chose qui est comparable à ce que les créatures font, ils se précipitent pour nier l'attribut. Et en niant l'attribut, il tombe dans al-ta'til. Il tombe dans al-ta'til et il tombe par la suite dans al-tahrif. Donc c'est une bid'a qui les amène à faire une autre bid'a, qui les amène vers une autre bid'a, et ça tourne en rond jusqu'à ce qu'ils s'égarent complètement au sujet des noms et des attributs d'Allah. Donc la voie des salafs, c'est la voie qu'il faut suivre. Hein, on affirme les attributs sans faire de tashbih, hein, on ne fait pas de ressemblance ou de comparaison entre Allah et sa création. On ne fait pas de tahrif, on ne fait pas de comprendre le comment et de l'imaginer, et on n'essaie pas de faire de tahrif non plus, de déformer le sens des attributs, puis on ne fait pas de ta'til, on ne fait pas de négation des attributs et de leur signification dans les textes, d'accord. Ça c'est la voie des salaf salih. Après il dit « Wa qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam lil-jariya, ayna Allah qalat fi s-sama » قال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة والأدلة على ذلك كثيرة وقد صنف الحافظ الذهبي رحمه الله كتابا سماه العلو للعلي الغفار ساق فيه الأدلة على علو الله على عرشه وهي كثيرة وقال العلماء إن أدلة علو الله على عرشه تبلغ 1000 دليل أو أكثر من الوحي ومن الفطرة ومن الأدلة العقلية
وهذا ثابت لا شك فيه. Donc, le Cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à la jeune fille esclave, hein, lorsqu'un sahabi était venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam quoi faire au sujet de cette jeune esclave qui l'avait frappé, il l'avait frappé au visage. Alors il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour savoir quoi faire pour expier ce péché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cette esclave, où est Allah? Donc ça, premièrement, ça prouve la permission de demander cette question-là dans l'islam. On a le droit de demander à quelqu'un « Où est Allah ?» hein? Et il y a des jeunes bid'a qui refusent cette question-là et qui disent que c'est haram de poser une question pareille. Alors que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, l'a posée. Donc, elle a répondu « Fis sama » hein? Elle a répondu « Dans les cieux. » Ok. Et قال لسيدها إلى son maître اعتقها فإنها مؤمنة إلى دي libère la car c'est une croyante. D'accord. Donc on a la preuve ici que Allah subhanahu wa ta'ala s'est permis de dire qu'il est fils sama. Et c'est pour ça que c'est important aux gens qui sont sur la voie des salaf et la aqidah des sahaba et des tabi'in et de ceux qui les ont suivis d'enseigner à leurs enfants depuis un très jeune âge à comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de sa création. Comme ça, quand ils grandissent sur la bonne aqidah, la bonne compréhension. Et en réalité, ça fait partie de la fitra, cette affaire-là, parce que même les petits-enfants des koufars, hein, qu'ils n'ont même pas encore appris rien de la religion, si tu leur demandes, où est-ce qu'il est Allah, il est où le bon Dieu, il est dans le ciel, ils savent tous, hein. Ils savent. Donc c'est quelque chose qu'Allah a mis dans la fitra. Même quand quelqu'un a un malheur, hein, et il a quelque chose à demander à Allah, il est en détresse, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne ses mains vers le ciel, il regarde le ciel, ça veut dire que ça fait partie de sa fitra. Il sait que son créateur est au-dessus, il n'est pas partout, comme les jeunes bid'a prétendent, comme les soufis, al-hulul, ahl-al-hulul, wa-wahdat al-wujud, ils disent Allah est partout, dans toutes choses. Ou bien même ils disent parfois pire que ça, que tout est Allah. Que le créateur c'est la créature et la créature c'est le créateur. La même chose. Ça c'est encore pire. Les hindous en Inde ils croient à ça aussi. Le panthéisme. Après il y en a d'autres qui disent non, il est nulle part. Il n'est pas dans le monde. Il n'est pas à l'intérieur de la création. Il n'est pas à l'extérieur de la création. Il n'est pas en haut, il n'est pas en bas, il n'est pas en dehors, il n'est pas à l'intérieur. Ça c'est comme les jahmiyyah. Et les Ahbash aussi, la secte des Ahbash, eux ils disent ça, il est nulle part. Tu leur demandes, c'est quoi la différence entre le néant et ton Dieu? Ils ne peuvent pas faire de distinction. Parce que si je te demande de décrire le néant, tu ne peux pas trouver une description meilleure que celle-là. Tu ne peux pas trouver une meilleure description de qu'est-ce que c'est le néant que de dire ça. Il n'est pas à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur, il n'est pas en haut, il n'est pas en bas. Et l'imam Ahmad, il a réfuté les Jahmiyyah à propos de cette choubha. Il leur a dit, il y a deux possibilités seulement, il n'y en a pas plus. Il a dit, soit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le monde. Parce qu'avant, il y avait Allah seulement, il n'y avait rien d'autre. Avant qu'il ait créé quoi que ce soit, il y avait seulement Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a deux possibilités. Il a créé la création à l'intérieur de lui-même, ça c'est coffre, ou bien qu'il a créé la création à l'extérieur de lui-même. Et ça c'est la position de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, qu'il est au-dessus de sa création. Et ça clarifie la question, il les a réfutés avec cette shubha, il les a réfutés avec cette hujja, avec cette preuve, ok. Et c'est une preuve rationnelle, mais elle est supportée par les preuves du Coran et de la Sunna. Et de l'ijma. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et là, quand vous voyez par exemple les livres des gens de Bid'ah, si tu rentres dans ces sujets-là avec eux, comme les Asha'ira et les autres, c'est de la pure philosophie. C'est de la pure philosophie. On dirait que tu lis le livre de Platon et d'Aristote. Tu vas pas savoir est-ce que tu lis un livre sur l'islam ou si tu lis un livre de christianisme ou bien de philosophie. D'une autre religion. Donc, Alhamdulillah, ala salamati al-aqida, Alhamdulillah.
qu'on a suivi la bonne aqidah. Et le cheikh il dit que les preuves sont nombreuses et que l'imam al-Zahabi, al-Hafiz al-Zahabi, rahimahullah, il a écrit un livre qui s'appelle Al-Ulu lil-Ali al-Ghaffar. Et dans ce livre-là, il a mentionné, pas toutes les preuves, mais disons, de nombreuses preuves au sujet du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône. Il y a d'autres ulama qui ont nommé ce livre Al-Arsh. Il y en a d'autres qui l'ont appelé le trône. Et d'autres qui l'ont appelé Al-Ulu, lil-Ali al-Ghaffar. Et le cheikh il dit que les ulama ont mentionné que les preuves du fait que Allah est au-dessus ou élevé au-dessus de son trône, elles dépassent ou elles atteignent jusqu'à 1000 preuves. 1000 preuves pour supporter qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. Et ce sont des preuves, il dit 1000 ou plus. Et ce sont des preuves de la révélation, c'est-à-dire du Coran et de la Sunna, et des preuves de la fitra, comme on a mentionné tout à l'heure. Et des preuves logiques, rationnelles aussi, en plus. Et donc, il dit que ça c'est ferme, il n'y a aucun doute là-dessus, et il n'y a personne qui nie cette chose-là, excepté les malahida parmi les jahmiyyah et d'autres en dehors d'eux. Et on a déjà expliqué que quand les ulama parlent des jahmiyyah, ils ne parlent pas nécessairement de la secte des jahmiyyah qui ont suivi Jahm ibn Safwan, mais ils parlent de tous ceux qui sont tombés dans la bid'a de la négation des noms ou des attributs. D'accord? Parce que les Asha'ira, c'est vrai qu'ils ont affirmé les noms et ils ont affirmé quelques attributs. Et les Mu'tazila, ils ont nié les attributs mais ils ont affirmé quelques noms. Tandis que les Jahmiya, ils ont nié tous les noms et tous les attributs. Ben, à la base, cette Shubha ou cette Bid'a, c'est partie des Jahmiya. Et c'est à des différents degrés qu'ils la suivent. Mais ça revient toujours au fait que leurs origines sont la secte des Jahmiyyah. C'est pour ça que même, on appelle parfois même les Asha'ira, on les appelle Jahmiyyah. Et les Mu'tazila, on les appelle Jahmiyyah aussi. Ok? Ou bien on les appelle Mu'attila aussi. Parce qu'ils font le ta'atil, c'est-à-dire ils nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc là, ensuite, il continue l'explication du hadith. Il dit, wa qawluhu, ضربت الملائكة بأجنحتها الملائكة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الملائكة من أعظم المخلوقات لا يعلم عظم خلقة الملائكة إلا الله سبحانه وتعالى وإذا كانوا على هذه الحالة من العظم ومع هذا لا تصلح عبادتهم من دون الله فهم مع قوتهم وعظم خلقتهم يخافون من الله إذا سمعوا كلامه ضربوا بأجنحتهم وهذا فيه إثبات الأجنحة للملائكة وهي ثابتة بالقرآن كما في قوله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في خلقه ما يشاء وخدعانا هذا مفعول لأجله يعني لماذا ضربوا بأجنحتهم لأجل الخضوع لله وتعظيما له وخوفا منه donc le cheikh il explique que les anges frappent leurs ailes ou battent leurs ailes lorsqu'ils entendent ce bruit là ou cette révélation là et les anges c'est la plus grande de toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut comprendre ou connaître ou imaginer la grandeur des anges excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, si elles sont grandes à ce point et immenses à ce point, et malgré ça on n'a pas le droit de les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré leur force, malgré la grandeur avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les a créés, malgré tout ça, ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Ils craignent Allah, malgré qu'ils sont les plus grands parmi les créatures. Et tu vois, parmi les êtres humains minuscules sur la planète Terre, qui pensent qu'ils n'ont pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala.
et qu'ils pensent qu'ils ne craignent pas Allah. Alors que ces anges-là sont immenses dans leur création. On a décrit Jibril, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit Jibril, il a dit qu'il a 600 ailes et qu'avec une seule de ces 600 ailes, il pouvait couvrir l'horizon. Donc, ça c'est une seule parmi les 600 ailes qui fait ça. Alors, que peut-on imaginer par la suite? 600 je crois. Wallahu a'lam, 600. Hein, c'est tout mis à Dieu, Yunah. Donc ça nous montre un petit exemple. Mais ils ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc imagine-nous, on devrait encore plus avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, si eux ne méritent pas d'être adorés, ben qui parmi les autres créatures mérite d'être adoré dans ce cas-là, en dehors d'Allah? Personne. Hein? Et malgré leur grandeur et leur grosseur, ils ont peur, et lorsqu'ils entendent la parole d'Allah, ils battent leurs ailes. Donc, dans ce hadith-là, il y a l'affirmation que les anges ont des ailes. On peut affirmer que les anges ont des ailes, et c'est confirmé par le Coran dans Surat Fatir. جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. Allah a fait les anges possédant des ailes. Deux, مثنى وثلاثة ورباع, deux ou trois ou quatre, et il augmente de sa création comme il veut, comme il dit. Surat Fatir, Fatir, le verset 2. وخدعانا, هذا, ah oui, il ne faut pas imaginer comme les kuffars, ils font souvent des images des anges comme des petits bébés nus avec des ailes dans le dos. Ça, c'est pas la description des ailes. Ça, c'est les kuffars qui imaginent les anges comme ça. Alaykum salam wa rahmatullah. Les anges, c'est pas comme ça. Même les chrétiens, leur idée des anges, en fait, c'est que lorsque tu meurs, quand tu vas au paradis, tu deviens un ange. Parce que eux, ils croient pas que dans le paradis, il y a des plaisirs physiques. Ils croient que dans le paradis, on est des âmes qui flottent comme ça. Il n'y a pas de plaisir matériel pour eux dans le paradis. C'est seulement comme spirituel. C'est pour ça que eux, ils nous critiquent. Ils critiquent les musulmans et notre façon de croire au paradis. Et ils disent que ça, c'est des plaisirs matériels. Comme le paradis qui est décrit avec des femmes et du vin et des fruits et des ruisseaux et des animaux et tout ça. Pour eux, ça, c'est pas ça le paradis. Pour eux, c'est juste un paradis spirituel où on flotte et on est des âmes et, c'est ça. Donc, ça, c'est leur notion à eux, et nous, toutefois, c'est tout à fait différent de leur notion. Allahu a'lam. Peut-être, je suis pas sûr pour eux comment ils voient le paradis. Allahu a'lam, oui. Fatir. Un ou deux ou trois. C'est dans les premiers versets, dans la première page. Oui, c'est ça. Ben, oui, un coup. Donc, le cheikh, il dit que pourquoi ils battent de leurs ailes, c'est parce que, c'est expliqué dans le hadith, c'est parce qu'ils le font par humilité pour Allah subhanahu wa ta'ala et par respect et par crainte pour lui qu'ils battent leurs ailes. فإن كانت هذه حالتهم فلا يجوز أن يعبدوا مع الله. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقال تعالى في حقهم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول يعني الملائكة وهم بأمره يعملون. Donc le cheikh il explique que si c'est ça l'état des anges par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils ont peur de lui et qu'ils le respectent et qu'ils sont humbles devant lui, alors comment on pourrait donc les adorer? Et il mentionne des versets qui montrent que le Messie, yani Isa ibn Maryam, il ne voit pas ça comme étant quelque chose d'insultant ou d'humiliant ou de rabaissant le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. De même que les anges rapprochés. Ils trouvent pas que c'est quelque chose qui les diminue ou qui les rabaisse. Parce qu'il y en a des koufars, ils ont cette notion-là.
que le fait d'être un esclave d'Allah et un serviteur d'Allah, c'est quelque chose qui te rabaisse. Et ils ont honte de ça. Ou ça quelque chose de rabaissant, de se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que c'est une honneur et c'est une fierté de pouvoir se rabaisser devant Allah et de s'humilier devant lui et de se prosterner devant lui. Eux, ils considèrent pas ça comme un honneur, mais comme le contraire. Allah musta'an. Et il mentionne un autre verset qui dit que les kuffars, ils disent que Allah a pris un fils, اتخذ الرحمن ولدا. Ils ont prétendu que Allah a pris des enfants ou des fils, Et il dit, bal ibad mukramun. Les anges, ce sont des serviteurs honorés et anoblis. Ils ne font rien, ils ne dépassent pas son ordre ou sa parole. C'est-à-dire, ils font rien, les anges ne font rien avant qu'ils en aient reçu l'ordre de le faire. Ils sont soumis au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ne font que selon le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le verset dans Surat al-Anbiya, le verset 26 et 27. Al-Anbiya. لِقَوْلِهِ أَيْ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ إِثْبَاتُ الْقَوْلِ لِلَّهِ وَإِثْبَاتُ الْكَلَامِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَى وأنه يتكلم كما يليق بجلاله وكلاما يسمع وتسمعه الملائكة ويسمعه جبريل وإذا سمعه الملائكة أصابهم هذا الرعد والخوف من الله. Il dit que il ressent cette crainte et ce respect et cette humilité pour Allah subhanahu wa ta'ala et ils battent de leurs ailes à ce moment-là à cause de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils entendent. Et il y a ici l'affirmation donc que Allah il a la parole et qu'il a l'attribut de la parole et qu'il parle comme cela lui convient, comme cela convient à sa grandeur et à sa majesté. Ça veut dire qu'il parle mais pas la même façon que les créatures, il parle comme cela lui convient à lui. Ok, et sa parole elle est audible, ça veut dire on peut l'entendre. C'est une parole audible. Et les anges l'entendent. Et Jibril l'entend. Et les anges l'entendent. Et lorsqu'ils l'entendent, ils sont remplis de crainte et de peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. قوله كأنه أي كأن قوله تعالى وتكلمه سبحانه كأنه أي كأنه سلسلة كأنه أي كأن قوله تعالى وتكلمه بالوحي سلسلة على صفوان تشبيه لصوت الوحي الذي يأتي إلى الملك أو صوت الملك نفسه بصوت السلسلة إذا جرت على حجر أملس ينفذهم ذلك أي أن كلام الله يبلغ إلى قلوبهم فيخافون. Donc, il explique que il y a une ressemblance ici entre la voix qu'ils entendent, la voix de la révélation, qui ressemble à, oui, c'est ça, la voix que les anges entendent. Il y a une comparaison ici avec une chaîne qui est frottée ou qui est traînée sur une pierre lisse. Et il y en a des ulama qui ont dit, ou bien il y en a qui pensent ou qui disent que c'est plutôt la voix des anges qui fait ce bruit-là. Et après il dit, يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ وَعَلَيْكُمْ سَلَامُ اَيْ أَنَّ كَلَامَ اللَّهِ يَبْلُغُ إِلَى قُلُوبِهِمْ فَيَخَافُونَ. Donc cette parole d'Allah, disons, quand ils l'entendent, ça met la crainte dans leur cœur. Okay. حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني أزيل عنهم الفزع تساءلوا بينهم ماذا قال ربكم قالوا الحق أي قال بعضهم لبعض قال الله الحق لأن كلامه حق سبحانه وتعالى. Donc une fois que la prière est partie de leur cœur, ils se demandent entre eux, qu'est-ce que
qu'a dit votre Seigneur? Et ils répondent les uns aux autres, Allah a dit la vérité. Parce que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est vérité. Wa qala, sallallahu alayhi wa sallam, fa yasma'uha mustariq as-sama. Al-mustariq, هو الذي يأخذ الشيء بسرعة وخفية ومنه سمي السارق الذي يأخذ المال على وجه الخفية والسرعة حيث لا يراه أحد ومسترق السمع هو الشيطان الذي يخطف الكلمة من الوحي الذي تتكلم به الملائكة في السماء قال تعالى إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين الحجر سورة الحجر ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض معنى أن الشياطين يعلو بعضها بعضا حتى تصل إلى عالم السماء وكل واحد يركب على الآخر من أجل استراق السمع والشيخ يمزيك Il y a des shayatins, des diables, qui volent, qui essaient de voler certaines informations dans le ciel qui sont transmises. On les appelle al-mustariq, mustariq al-sama. Qu'est-ce que ça veut dire mustariq? C'est celui qui prend quelque chose rapidement et d'une manière tellement secrète et comme si, disons, il le prend en cachette et rapidement. Comme ça, tu t'en aperçois pas. Et c'est de là que vient le mot sariq, en arabe, le voleur. Parce que le voleur, il prend les biens des gens rapidement et subtilement, en cachette. Et il attend que personne ne le voit, et rapidement. Comme les pickpockets, par exemple. Vous savez, les pickpockets, les gens qui volent dans les poches des gens, ils font ça rapidement, tu le vois pas, puis tu le sens pas, puis il y a une. Il le fait d'une façon, il est vraiment subtil. Donc c'est de là que ça vient. Et Mustariq al-Sam'a, ce sont des diables, ils volent, ils essaient d'attraper certaines informations dans le ciel. Pardon. Parmi les exemples de la révélation qui sont transmises aux anges. Et c'est mentionné dans Surat al-Hijr, le verset 18. Lorsque les voleurs qui essaient d'écouter dans le ciel viennent, les shayatins, ils viennent pour voler des informations et ils se font frapper par un météore dans le ciel. Donc il dit Mustariq al-Sam' hakaza ba'duhum ila ba'd. Donc il y a la description des shayatins et qu'ils se montent l'un sur l'autre. Ils se font comme une sorte d'échelle, ils se montent tous un sur le dos de l'autre, jusqu'à ce qu'ils arrivent au bord des cieux, et ils essaient d'écouter ce qui se transmet entre les anges. Et il dit, وَصَفَهُ سُفْيَانَ يَعْنِي رَاوِي الْحَدِيثِ وَهُوَ سُفْيَانِ ابْنُ عُيَيْنَ أَحَدُ كِبَارَ الْمُحَدِّثِينَ الْمَشْهُورِينَ الثِّقَاتَ الْأَثْبَاتِ رَحِمَهُ اللَّهِ يَعْنِي وصف تراكمهم ووصف ركوب بعضهم وصف ركوب بعضهم فوق بعض في الجو. Il dit qu'il a décrit Soufyan, c'est Soufyan ibn Uyayna, un des imams parmi les imams des muhaddithin, parmi les ulama des salaf salih, et c'est un des narrateurs de hadith les plus authentiques et les plus fiables. Et il décrit comment ils se montaient l'un sur l'autre dans les airs. Soufyan ibn Uyayna. Soufyan ibn Uyayna. Un des imams des salafs. C'était, disons, à l'époque de l'imam Malik, rahimahullah, lui, Soufyan, il était à Mecca. Et c'était l'homonyme de l'imam Malik à Mecca. L'imam Malik, il était à Al-Madina, et lui, Soufyan, il était à Mecca. Et il était, c'est, disons, la même génération que l'imam Malik. C'est pour vous dire, c'est un des grands imams parmi les imams de hadith. Ok? Et, il dit, وَصَفَ تَرَكُمَهُمْ. Donc, Soufyan, il les a décrit comment ils montaient un sur l'autre.
Ça, c'est un des narrateurs dans la chaîne de ce hadith. بكفه فحرفها يعني أمالها وفرق أصابعه والأصابع يكون بعضها فوق البعض هذا معناه أن سفيان أراد أن يوضح لتلاميذه والرواة عنه بالمثل المحسوس المشاهد عملية الشياطين في الهواء فهذا فيه من وسائل التعليم ضرب الأمثلة للطلاب حتى يفهموا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يفسر قوله تعالى وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوضح هذه الآية بمثل محسوس فخط خطا مستقيما على الأرض وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا وقال للمستقيم هذا صراط الله وقال للأخرى هذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليها هذا توضيح للمعاني بالمحسوسات وهي طريقة شرعية وطريقة ناجحة في الأفهام وهذا ما أراده سفيان رحمه الله ومن من وصفه عملية الشياطين في الهواء بكفه وجعل أصابعه بعضها فوق بعض مفرجة من أجل أن يعني يوضح لهم الشيخ explique l'exemple de Soufiane Ibn Uyayna comment il y a deux imams en passant qui s'appellent Soufiane Ibn Uyayna et Soufiane al-Thawri. Soufiane ibn Uyayna, il est plus reconnu pour la transmission de hadith. Tandis que Soufiane al-Thawri, il est plus connu comme étant un parmi les grands fuqaha. Et yani, tous les deux ont rapporté des hadiths, et tous les deux sont des siqats, sont des rapporteurs fiables. D'accord? Et ils ont le même prénom. Et des fois, ils mentionnent souvent juste le prénom, comme dans ce hadith-là, il dit « Qala Soufiane ». D'accord? Donc c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça. Donc il y a la description qu'ils se montaient tous les uns sur les autres et il a montré qu'ils se mettaient tous les uns sur les autres. Les shayatins, ils se montaient tous les uns sur les autres et il a mis ses mains comme ça, une par-dessus l'autre, les doigts espacés, comme pour montrer comment ils se montent tous les uns sur les autres, pour monter dans le ciel. Ça, c'est les diables qui faisaient ça pour arriver au ciel, pour essayer d'écouter les information. Soufiane. Donc, il dit que Soufiane ibn Uyayna, il a voulu clarifier pour ses élèves et les narrateurs qui allaient rapporter ce hadith en leur donnant un exemple, mahsous, quelque chose de concret qu'ils pouvaient comprendre et voir avec leurs yeux. Comme ça, c'est plus facile pour eux de comprendre l'exemple. Hein? Et il dit que ça fait partie des moyens d'enseignement. Ça fait partie des bons moyens de l'enseignement d'utiliser cette méthode en donnant des exemples pour que les élèves comprennent mieux. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ça souvent dans ses cours ou dans ses enseignements. Par exemple, il a mentionné l'exemple du verset 153 dans Sourate Al-An'am, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Et voici mon chemin dans toute sa rectitude, alors suivez-le et ne suivez pas les petits sentiers qui vous écarteront de son chemin. » Eh bien, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a expliqué ce verset-là, il a tracé une ligne droite sur le sol, dans le sable, et il a dit « Ça, c'est l'exemple du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Puis, il a tracé des petites lignes à droite et à gauche de cette grosse ligne au milieu, il a tracé des petites lignes. Et il a dit, ça c'est les sentiers qui vont vous écarter. Et à la tête de chacun de ces petits sentiers-là, il y a un shaitan qui appelle les gens à le suivre. Hein? Donc, les ulama de Al-Sunnah, ils ont tous expliqué que, en réalité, ce chemin droit-là, c'est la voie qu'on doit suivre, hein? La voie de Al-Sunnah al-Jama'a, ceux qui suivent le Coran et la Sunna, et la voie des salafs,
Et les autres petits chemins, les petits chemins à côté, ça c'est les gens de Bid'a qui appellent à des égarements ou à des péchés ou à des choses qui vont t'égarer de cette voie-là. Et donc, ça c'est un exemple de la méthode d'enseignement qui est bon de suivre comme un exemple. Ça c'est l'exemple, et il donne des exemples concrets comme ça que les gens peuvent comprendre, et ça les aide à avoir une meilleure compréhension par la suite, et c'est plus simple pour faire comprendre aux gens. Donc il y a ça. Après il dit wa qawluhu fa yasma'u al-kalima ay yasma'u mustariq as-sam' al-kalima mimma takallamat bihi al-mala'ika fayulqiha ila man tahtahu min ash-shayatin والذي تحته يلقيها إلى الآخر أحدا بعد واحد واحدا بعد واحد حتى يلقيها الأخير على لسان الساحر أو الكاهن من بني آدم. Donc c'est ça l'explication. C'est que le shaitan, un des shayatins qui est monté pour écouter les paroles qui sont transmises entre les anges, il vole cette information là. Et il la jette ou il la donne à celui qui est en dessous de lui. Puis celui qui est en dessous de lui, il la donne à l'autre qui est en dessous de lui. Ainsi de suite, jusqu'à ce que l'information arrive au dernier, et lui, il la transmet au magicien, au sorcier, ou bien à celui qui est kahin, c'est-à-dire celui qui prétend qu'il connaît l'avenir et qui va informer les gens de ce qui va se produire dans l'avenir. Et lui, bon, c'est comme ça que les magiciens, les sorciers, et les gens comme ça qui prétendent connaître l'avenir, hein, eux, ils utilisent les djinns comme ça. Ils utilisent les informations que les djinns ont volées dans le ciel. Et le cheikh dit وَفِيهِ فِي هَذَا فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السَّحَرَ وَالْكُهَّانَ يَتَلَقَّوْنَ عَنِ الشَّيَاطِينِ فَفِيهِ إِبْطَالٌ لِعَمَلِ السَّحَرَ وَالْكُهَّانِ قَالَ تَعَالَى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. Donc il dit, le cheikh il dit qu'il y a une preuve ici que les sorciers et les gens qui prétendent connaître l'avenir, informer aux autres, aux êtres humains l'avenir, des fois vous regardez dans les pages de journaux, vous voyez des annonces, un voyant, un médium, et des fois le pire, Allah musta'an, vous voyez des noms musulmans dans ces noms-là, hein, Abdoulaye, je sais pas qui d'autre encore, hein, Amadou, ouais, des choses comme ça, Allah musta'an. Et donc ça c'est des gens qui se prétendent comme connaître l'avenir, qu'ils ont reçu un don de leur père, etc., etc., qui connaissent l'avenir, et des trucs comme ça. Ça c'est des Sahara, c'est des Kuhan, et ça c'est des Shayatin, des Dajjalin. Ça c'est des, il n'y a pas de doute que ça c'est kufr, qu'est-ce qu'ils font, et que ce sont des kuffars ces gens-là, ok. Et donc, yani, il y a la preuve donc que leurs actions sont fausses, qu'est-ce qu'ils font, c'est batil. Et il mentionne le verset dans Surat al-Shu'ara, le verset 221 et 223, et il dit « هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلَ الشَّيَاطِينَ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. هل ننبئكم؟ est-ce qu'on va vous informer de sur qui descendent les shayatin? Ils descendent sur tous les inventeurs de mensonges, pécheurs. Ils essaient d'écouter les fausses informations. Et la plupart d'entre eux sont des menteurs. هذا خبر من الله أن الكهان والسحرة يتلقون عن الشياطين فهذا فيه بطلان السحر والكهان والكهانة وأن مصدرهما واحد عن الشياطين الذي هم أكثر الخلق وأغش الخلق للخلق. Il dit que ça c'est la preuve que Allah nous informe que les Kuhan, ceux qui prétendent connaître l'avenir, et Sahara, les sorciers, ceux-là, ils prennent leurs informations des diables. Et ça, c'est la preuve que la sorcellerie et le vaudou et toutes ces affaires-là,
que, et ou bien la, les gens qui se prétendent être des voyants ou des trucs comme ça, que tout ça c'est d'une seule origine et que ça vient des diables et que ce sont les pires des mécréants parmi toutes les créatures et les plus grands trompeurs parmi les créatures. Et des fois aussi, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens, comme dans Surat al-Shu'ara, on le voit, que beaucoup de ces Shu'ara, des poètes aussi, et des chanteurs, des artistes, ils sont inspirés par les shayatins, des comédiens, des acteurs, des poètes, des musiciens, tous ces gens-là sont souvent inspirés par des shayatins, c'est des shayatins qui leur donnent leurs inspirations. Beaucoup d'entre eux, ils ont besoin d'être sous l'effet de l'alcool ou de la drogue pour être inspirés dans leurs écrits ou dans leurs poèmes ou dans leurs romans ou des trucs de ce genre, et c'est dans ce moment-là que souvent les shayatins viennent les inspirer. Ou bien des fois même, ils font des pactes, même certains parmi eux, ils font même des ententes avec les diables et les shayatins pour les inspirer de différentes inspirations. Donc ils vendent leur âme au diable pour avoir un succès dans cette dunya, hein, et des fois ils vont même aller demander à des êtres humains de les aider, hein, parmi les sorciers ou d'autres, de les aider à pouvoir réussir dans ces domaines-là pour pouvoir avoir le succès, puis par la suite yani, ils font des sacrilèges ou des blasphèmes ou des trucs comme ça pour pouvoir arriver à avoir l'aide de ces sorciers-là pour accomplir ces choses-là. Donc ça, c'est des gens qui utilisent les shayatins aussi, hein. Et il y a beaucoup de gens qui savent pas ça parce que c'est des choses qui se disent pas, yani. Et la plupart des gens aujourd'hui, ils n'y croient même plus, hein, ces choses-là. Ils pensent même pas que ça existe. La preuve, même, je pense même pas qu'il y a une loi dans les pays de Kofr ici comme pour dire que c'est interdit la sorcellerie. Hein, je pense même pas qu'ils ont des lois pour ça, parce qu'ils reconnaissent même pas que c'est vrai. Parce que eux, ils pensent que ce qu'on peut pas prouver scientifiquement, ça n'existe pas. Et donc, ils nient ces réalités-là. D'accord? Donc, il y a un monde du rêve, il y a un monde invisible, et ce monde invisible, il existe. Il existe même si les gens n'y croient pas. D'accord? Et c'est pas parce que tu le vois pas, que tu peux le nier. C'est pas parce que tu le vois pas qu'il n'existe pas. Donc le cheikh dit والسحر معروف وهو عملية يعملها الساحر إما بالعقد والنفس ومن شر النفاثات في العقد إما بكلام الكفر والشرك فهو عزائم ورقي شيطانية ورقية شيطانية وإما بمواد خبيثة تركب بعضها مع بعض ثم يتكون منها السحر فالسحر عمل شيطاني والسحر كفر والساحر كافر بدليل قوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فدل على أن الذي يتعلم السحر يكفر لأن السحر كفر. نعم. Donc le cheikh il dit que السحر, la sorcellerie ou le voodooisme ou toutes les autres trucs comme ça. Donc le voodooisme c'est peut-être plus général que la magie ou la sorcellerie. Parce que pour beaucoup d'Haïtiens par exemple en Haïti, le voodooisme c'est une religion. Bon, ils pensent que c'est une religion, d'accord. Ils adorent les shayatins. Et ils les prennent comme des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils adorent les djinns et les shayatins. Ils les prennent comme des intermédiaires entre eux et Allah. Et ils pensent que c'est une religion. D'accord? Et il y a un autre aspect qu'ils utilisent ça pour faire de la sorcellerie. Hein? Donc c'est ça. Ils utilisent ça pour faire de la sorcellerie et pour envoyer des sorts puis pour des trucs comme ça. Et il y en a d'autres qui l'utilisent aussi pour, soi-disant, pour la guérison et d'autres choses de ce genre. Mais tout ça, ça rentre dans la même catégorie. Tout ça, ça rentre dans la même catégorie. C'est shirk et kofriyani. Non. Mmh.
Ça s'est mélangé avec le christianisme aujourd'hui. Non. Même les églises l'ont utilisé aussi. Ils brûlaient les sorciers parce qu'ils voulaient être les seuls à connaître ces affaires-là. L'église brûlait les sorciers parce qu'ils voulaient être les seuls à connaître ces choses-là. Donc ils en prenaient des sorciers puis après ça ils les brûlaient. Donc Allah Musta'an. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit que la sorcellerie, ce sont des choses que les shayatines font, les sorciers ils font en faisant des nœuds et en soufflant sur les nœuds. Ça c'est un exemple. Comme dans Surat Al-Falaq. On voit que Allah décrit An-Naffathati fil 'Uqad. Shar An-Naffathati fil 'Uqad. Ceux qui soufflent sur les nœuds. Ils font des nœuds, ils envoient des sorts en faisant des nœuds comme ça sur une corde et en soufflant dessus avec des incantations et des trucs comme ça. Donc le cheikh dit soit par des paroles de kufr ou de shirk, parce que c'est toujours relié au kufr ou au shirk, la magie. Tu peux pas faire la sorcellerie sans faire le shirk ou sans faire le kufr. Ça fait partie de la magie, la sorcellerie, ça fait partie de ça. Et aussi ils font le sihr aussi par des incantations et des amulettes, voilà, des amulettes. Les juifs sont très forts là-dedans aussi, dans ce genre de magie-là. Et dans les pays musulmans, beaucoup d'entre les musulmans ont appris, certains qui se pensent musulmans, qui se disent musulmans, ils ont appris la magie des juifs. Ils ont appris la sorcellerie des juifs. Comme au Maroc et en Algérie, dans d'autres pays encore. Donc, c'est ça, ils font des amulettes, des sortes d'incantations, de ruqya, mais pas ruqya shar'iyya. Justement, l'autre jour, il y a une dame qui venait au cours, et après le cours, elle est venue me voir, elle m'a demandé, elle a dit, j'ai entendu que vous avez mentionné des choses à propos de l'Afrique de l'Ouest, des trucs comme ça, puis je voulais savoir, parce que j'ai un livre que je lis pour des doigts et des prières, mais je ne sais pas s'il est correct ce livre. Alors elle m'a montré le livre, et je commençais à regarder dedans, et j'ai vu que c'est pas des hadiths ou c'est pas des du'as rapportés dans des c'est pas authentique ces du'as, c'est pas des basé sur des hadiths authentiques. Alors j'ai vu, je lui ai dit non, ce livre là il est pas bon, mais j'avais pas regardé vraiment profondément, de façon claire ou approfondie. Donc elle m'a laissé le livre, elle a dit dans ce cas là j'en veux pas. Elle m'a laissé le livre. Arrivé à la maison, j'ai vérifié un peu plus le livre. J'ai trouvé des affaires tellement graves. Non seulement il y a des incantations, des shayatines dedans, des affaires de sorcellerie, de magie, mais en plus, c'est comme des invocations en mentionnant juste des lettres, une collée avec l'autre, qui n'ont aucune signification dans la langue arabe. C'est juste des alif, lam, ayn, ra, alif, lam, des affaires comme ça. Et après, des chiffres, une série de chiffres toutes collées après, une après l'autre. Et ils disent d'écrire ça sur une feuille avec quelque chose, de la mettre dans l'eau, puis après de le boire. Et l'exemple du doigt que j'avais lu qui mentionnait ça, c'est que si tu as un fils qui fait la fornication ou qui boit de l'alcool, puis tu veux le retenir chez toi pour pas qu'il sorte, tu fais cette affaire-là, tu lis ce doigt-là, tu l'écris dans l'eau, tu lui fais boire ça. Puis là, il va plus sortir, des trucs comme ça. Ça là, les chiffres et les lettres comme ça qui sont incompréhensibles, hein, qui sont écrits dans ça, ça c'est des paroles de shayatin, et c'est des paroles de shirk écrites en code. Et les magiciens et les sorciers, ils les écrivent en code pour justement pas que les gens sachent que c'est des paroles de kufr et de shirk. Comme ça, ils les prononcent comme ça, et les gens savent pas, mais en réalité c'est des affaires de kufr et de shirk. Et yani, c'est pour ça que si les ulama, il y en a des, quand on avait expliqué à propos des amulettes et tout ça, on avait dit qu'il y avait un khilaf entre les ulama au sujet des amulettes. Il y en a qui ont dit si c'est fait avec le Coran, c'est permis, avec le Coran et les hadiths et la sunna authentique, c'est permis. Et il y en a d'autres qui ont dit non, même ça c'est pas permis.
d'écrire les versets puis de les mettre sur soi comme protection. Même si c'est le Coran, même si c'est les hadiths, c'est pas permis. Et ceux qui ont dit que c'est permis, ils ont dit qu'une des conditions pour que ce soit permis, il faut que ce soit des paroles qui sont compréhensibles et qui sont lisibles, qui ce soit pas des paroles dans une autre langue qu'on connaît pas, qui est pas humaine, ou bien aussi, ou bien que ce soit écrit tellement mal qu'on peut pas déchiffrer les lettres, ou bien que ce soit des chiffres ou des trucs comme ça, on peut pas savoir qu'est-ce que ça veut dire, hein, parce qu'eux ils ont une affaire qu'ils, je pense que ça s'appelle Al-Isbat, en tout cas j'ai oublié comment il l'appelle, mais c'est comme si ils donnent à chaque lettre une valeur numérique, puis ils font des calculs avec ça pour essayer de donner des significations, et des fois tu vois ils vont marquer par exemple 786, ils vont dire ça veut dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors qu'il n'y a aucun moyen de savoir ou de vérifier qu'est-ce que ça veut dire 786. C'est quoi la preuve que 786 veut dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Et il y en a qui écrivent des versets de Coran comme ça, juste avec des chiffres. Yani, ça c'est batil, tout ça c'est des khurafats. Ça n'a rien à voir avec le Coran et la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais expliqué ces affaires-là. Et eux, ils ont pris ça des juifs encore une fois. Ça vient pas de l'islam. Oui, ça vient du Liban. C'est une maison d'édition au Liban. Mais l'auteur, il y avait un auteur, mais je me rappelle plus. Mais c'est juste pour te dire, la plupart de ces livres-là sont imprimés au Liban, en Égypte, et dans les pays où il y a beaucoup de tasawwuf, les pays où il y a beaucoup de soufis et beaucoup de khurafat. Parce que la plupart des gens qui propagent ces affaires-là, c'est des soufis. Et ils se disent chouyour, les gens les considèrent comme étant des chouyour, alors qu'en réalité, ce sont des sorciers et des voyants, ce ne sont pas des savants de l'islam, ce ne sont pas des ulama. Donc, c'est très grave, Yanni. Et donc c'est ça, c'est juste pour dire des exemples de choses qui se font parfois et qui font égarer les gens, ils savent même pas. Non. Donc, juste pour terminer la description, la définition du sihr et l'explication qu'il dit, il dit que parfois même ils écrivent ces amulettes-là avec des matières qui sont impures, soit avec du sang, soit avec des excréments ou d'autres choses. Et ils écrivent le Coran ou des choses comme ça avec ça. Et ça fait partie des sacrilèges qu'ils font. Ils les mettent comme ça pour que ça forme de la magie. Et il dit que ça vient d'une action des shayatins. Et il dit que la magie ou la sorcellerie, c'est kofor. Et que le magicien, il est kafir. Et la preuve de ça, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surah Al-Baqarah, le verset 102, ولكن الشياطين كفروا سورة البقرة verset 102 ولكن الشياطين كفروا mais ce sont les diables qui ont mécru parce qu'ils enseignent la sorcellerie aux gens et ce qui a été révélé sur les deux anges à Babylone Harut et Marut hein? Beaucoup des juifs ils ont appris la magie quand ils étaient en Babylonie et c'est là qu'ils l'ont appris et puis après ils l'ont transmis un peu partout. Et ils disaient les deux anges, lorsqu'ils enseignaient les deux anges à des gens, ils n'enseignaient pas à personne avant de leur dire. C'est un test, c'est une épreuve. Alors ne l'apprends pas parce que c'est kufr. Si tu l'apprends, tu vas devenir kafir. Ils avertissaient les gens. C'est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un test. Si tu l'apprends, tu deviens kafir. C'est comme si tu dis, si tu le prends, ça y est, c'est fini, tu vas en enfer. Tu as vendu ta dunya pour ton akhira. C'est-à-dire, c'est fini. Tu as vendu ton âme au diable. Ça y est, c'est fini. Et celui qui l'apprenait, il l'apprenait en pleine connaissance de cause. C'est pour ça que vous voyez que ces gens-là qui rentrent dans ces affaires-là, ils ont aucune limite par la suite à qu'est-ce qu'ils peuvent faire de crime ou de mal aux gens. Parce qu'ils savent déjà qu'ils sont maudits et qu'ils sont perdus. Hein? C'est pour ça qu'il y en a des ulama qui ont dit même, est-ce qu'on accepte la repentance du sorcier ou non? Et il y en a qui ont dit non, on n'accepte pas leur repentance. Mais s'il est sincère, qu'il s'est vraiment repenti, hein, et qu'il a montré et clarifié que ce qu'il faisait auparavant c'était batil et tout ça, il y en a qui disent qu'il l'exécutait quand même, selon la charia, on applique sur lui la peine de mort, toutefois peut-être Allah va accepter sa repentance.
Mais c'est juste parce que les sorciers c'est des menteurs. On ne peut pas savoir s'ils sont sincères ou non. Donc c'est dans ce sens-là. Wallahu a'lam. Et donc c'est ça. Et donc c'est les preuves que la magie ou la sorcellerie c'est kufr. فدل على أن الذي يتعلم السحر يكفر لأن السحر كفر. Donc ça, ça prouve que celui qui apprend le sihr, yakfur, il devient mécréant. Et que la sorcellerie en elle-même est le kufr. Hein? Et dans les pays musulmans, malheureusement, il y a des gens qui font. Il y a des groupes de soufis et des groupes de gens égarés qui pratiquent ces choses-là au nom de l'islam. Au nom de l'islam, Allah mustaha. Hein, comme les Gnawa par exemple, au Maroc, les Issaouia et d'autres. Ils font de la musique, hein, même maintenant c'est connu pour le. Quand les gens étudient à la vie pour faire la musique Gnawa, pour eux c'est comme, ouais, c'est des artistes, c'est des musiciens. Hein. Ils font des spectacles, ils se promènent dans le monde, c'est comme les derviches tournants. C'est devenu maintenant un spectacle. Ils vont se promener, faire des tours autour du monde. Pour tourner en rond sur un stage avec devant les gens. Il y en a, c'est même pas des soufis, hein, les gens devant qui ils vont tourner. C'est ça. C'est comme des doigts de chef, Allah al-Musta'an. Allah al-Musta'an. Donc, ça c'est. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et puis, on va continuer la semaine prochaine parce qu'il y a beaucoup de matière dans ce chapitre-là. Donc on va s'arrêter là, puis inchallah la semaine prochaine on continuera à partir de ce point-là, ok? Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Ça on va, parce que là le cours c'était pas sur ça, il y a un chapitre qui s'en vient spécifiquement dédié à as-sihr. Pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire, puis les règles à ce sujet-là, pour montrer la position de l'islam vis-à-vis des sorciers et tout ça. Donc, on n'est pas rendu là, on rentre pas dans les détails, on fait juste expliquer en général des choses comme ça pour comprendre. Quand on va arriver à ce chapitre, Inch'Allah, on détaillera plus. Non, c'est plus tard. Mais il faut être patient, Inch'Allah. Sinon, je sais pas dans combien de temps. Allahu a'lam. Nah.